Si vous deviez vous présenter en deux phrases, lesquelles seraient-elles ? Ah, c'est difficile toujours de se présenter en deux phrases. Je dirais que je suis un Carolo, fier de l'être, heureux de mon engagement pour la ville et plein d'espoir. Que feriez-vous comme autre métier si vous n'aviez pas choisi une voie politique ? Bah, le métier que j'avais choisi avant de faire de la politique, c'est l'enseignement. Donc j'ai toujours adoré enseigner, j'ai toujours adoré le contact avec les étudiants, j'ai toujours adoré transmettre un savoir. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'essayer d'éveiller des intelligences, d'éveiller de la curiosité. Donc si j'arrête la politique, je retourne à l'enseignement, c'est sûr. Que faites-vous pour vous détendre ? Ah, plein de choses, mais tout, on ne peut pas tout raconter à la télévision. Donc je fais notamment, j'aime beaucoup faire la cuisine. Et donc, et notamment, je fais du pain, j'adore faire le pain, et puis je joue de la guitare aussi, et puis voilà, je lis, je fais la sieste, enfin des petites choses, je fais du jardinage, des petites choses tout à fait banales. Là, vous avez anticipé ma prochaine question qui était, cuisinez-vous et quel est votre plat préféré ? Oui, je cuisine, j'aime beaucoup faire la cuisine, je fais un peu de tout. J'adore faire la pizza, je fais la pizza intégralement, c'est-à-dire je fais la pâte, je la fais à l'ancienne, j'ai une palette comme les vrais pizzaioli, j'ai une pierre à pizza dans mon four et tout, donc j'aime faire de la pizza qui rapproche le plus possible de la pizza, de la vraie pizza napolitaine, même si malheureusement avec un four électrique, c'est jamais tout à fait la même chose. Alors, aimez-vous voyager ? J'aime bien voyager, mais je ne suis pas très fan des grands voyages exotiques lointains. Moi, j'aime surtout les villes. Je suis passionné par les villes, et les villes européennes en particulier, les villes américaines aussi. Mais donc, j'adore les villes d'Italie, d'Espagne, voilà, etc. Pas des voyages lointains. J'ai jamais été dans les îles, j'ai jamais fait des croisières, j'ai jamais été au bout du monde. En parlant de grandes villes, dans le cadre des Mayor Challenge, initié par l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, il était proposé aux grandes villes européennes de plus de 100 000 habitants de soumettre un projet original transférable à d'autres grandes métropoles et dont le but est d'améliorer la qualité d'une ville. Parmi une septantaine de propositions que vous avez reçues, donc vous avez choisi le projet de l'application My Friendly City. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette idée novatrice ? Qu'est cette application ? Mais l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de Carolos sont un peu tristes de voir que l'image de leur ville n'est pas toujours très positive à l'extérieur et ont envie de faire connaître leur ville et de faire aimer leur ville comme eux l'aiment. Donc on s'est dit, il faut travailler là-dessus, sur cet enthousiasme des Carolos à faire connaître leur ville. Mais pour qu'on sache que c'est possible, il faut trouver un truc. Et donc on a mélangé cette envie des Carolos d'avoir un contact direct et de jouer sur leur convivialité, sur leur chaleur humaine, avec les nouvelles technologies. Donc on va créer une application qui permettra à toute personne qui est de passage à Charleroi, qui passe à l'aéroport, qui passe pour le boulot, qui passe pour des courses, de trouver quelqu'un qui a un peu le même profil que lui, les mêmes centres d'intérêt que lui, et qui va lui faire découvrir les endroits parfois méconnus de Charleroi, en espérant que ça lui fasse aimer encore plus la ville et que ça la fasse découvrir à beaucoup de gens. Alors c'est un projet de grande envergure qui réunit les personnalités du monde entier. Charleroi à New York, c'est aussi un moyen de contribuer au renouveau de Charleroi, à son dynamisme et à l'ouverture vers le monde. Oui, je crois qu'il faut avoir de l'ambition. Souvent, le problème des Carolos, c'est qu'on a un peu l'impression voilà, qu'ils regardent le bout de leurs chaussures, qu'ils se résignent et qu'ils se disent « bon, bah, c'est comme ça, ça va pas, mais on peut rien y faire ». Non, moi, je crois pas. Charleroi est une grande ville qui a beaucoup rayonné à travers l'histoire, qui a été une des villes les plus prospères du monde. On l'a un peu oublié il y a une centaine d'années, qui reste une ville extrêmement dynamique, avec plein de qualités, plein de ressources sur le plan culturel, sur le plan industriel, sur le plan de la recherche. Il faut avoir de l'ambition, il faut oser se projeter dans le vaste monde. Alors, enfant, étiez-vous un ado rêveur ? Enfant, j'étais un peu rêveur. Je racontais beaucoup d'histoires. Je me racontais beaucoup d'histoires, j'imaginais beaucoup d'histoires. Ado, non, j'étais plus actif. Alors, si vous deviez vous réincarner en un animal, lequel serait-il ? Alors, j'espère ne jamais être réincarné. Je ne sais pas, franchement, un animal. J'aime bien les ânes. Je trouve que les ânes sont très paisibles, ils ont bon caractère, ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense. On croit qu'ils ne veulent pas obéir, qu'ils sont récalcitrants, mais en fait, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Votre dernière cuite ? D'abord, je ne suis jamais saoul, ça c'est un principe. Ça m'arrive d'être légèrement ébréché. La dernière, je ne sais pas, ça remonte à un petit moment quand même. Ça devait être après une victoire électorale ou quelque chose comme ça, oui. Est-ce que vous avez des petits tocs ou des petites superstitions ? Non, je ne suis vraiment pas superstitieux. Je n'ai pas de tocs non plus, je ne crois pas. Enfin, peut-être, il faut me le dire, mais je n'en suis pas conscient. Slip ou boxer ?
Ça, c'est une question tout à fait intime à laquelle je ne répondrai pas. Alors, votre vie professionnelle en une phrase? Ma vie professionnelle, c'est un peu un art de jongler entre plusieurs choses, puisque je suis bourgmestre de Charleroi, immergé dans la réalité carolo et essayant de créer, d'entretenir cette dynamique d'un renouveau de Charleroi. En même temps, je m'occupe de mon parti. Et en même temps, c'est ce va-et-vient entre les deux qui est vraiment passionnant, parce que je pense que pour être un bon dirigeant de parti, il faut comprendre la réalité sociale et la réalité de terrain, ce que, en tant que bourgmestre, on a vraiment la chance de pouvoir faire. Et pour être un bourgmestre efficace, il faut avoir des relais, je crois, ce que, en tant que président de parti, on a, justement. Alors, que représente Charleroi pour vous ? Charleroi, pour moi, c'est la terre de tous les possibles. C'est ça qui est formidable dans une ville comme celle-ci. Il y a beaucoup de villes où la tradition compte énormément aussi. Vous n'êtes pas là depuis 5 générations, né dans les bonnes familles, etc. Vous n'avez aucune chance de devenir quoi que ce soit. À Charleroi, pour autant que vous vous bougiez, pour autant que vous ayez l'envie, pour autant que vous montez des projets, quelles que soient vos origines, vous avez des chances d'arriver. Et ça, les Carolos ne s'en rendent pas toujours compte, mais je ne vais pas citer d'autres villes, mais il faut aller voir d'autres villes pour se rendre compte à quel point certains n'avanceront jamais dans d'autres villes. Ici, on voit que ce soit dans le domaine de la danse, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'oreille, dans tous les domaines, il y a des gens qui viennent de partout et souvent qui sont en carolo depuis pas très longtemps, qui se sont lancés et qui ont réussi et qui arrivent à trouver leur place et à participer à la vie carolo. Donc c'est vraiment une ville qui est ouverte à tous et ça c'est quelque chose d'assez unique. Alors, une dernière question, vous êtes papa ici pour la 4e fois depuis peu de temps, quel genre de père êtes-vous ? Je suis un père sans doute un peu trop coulant. On me dit souvent que je suis un peu trop... Pourtant, j'essaye d'être strict et ferme. Il faut mettre des limites, c'est très important. Je mets des limites, évidemment. Les enfants ont besoin de frustration. La frustration, c'est très bon pour la construction de son identité et de sa personnalité. Mais peut-être que comme je ne suis pas là autant que je le voudrais, j'ai tendance à être un peu trop papa gâteau par moment. Mais j'essaie de me corriger. Merci beaucoup. Merci.